Moi, je suis bon niveau son. Test. Attends, je Hop, gueule un peu rec pour voir. audio, Test, test. la Non, c'est petite bon. synchro, comme ça t'as le clap de synchro était bien. Mais le clap, en fait, t'as pas besoin de t'emmerder parce que Final Cut, il le fait tout seul, la synchro. C'est pas moi qui le fais. Tu m'enlèves mon dernier C'est plaisir de ça. faire de la vidéo, c'est-à-dire de pouvoir faire un C'est clap. Tu ça. sais que j'avais prévu d'acheter D'acheter-le. en plus le truc avec le nombre de prises et Oh écrire des non, conneries pour te merde. faire marrer. Un truc à 200 T'as tout euros, gâché, Alex ou Sky. T'as tout gâché avec tes 3 millions d'abonnés cachés. Gaël. Gaël. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on retrouve de nouveau Monsieur Père Gaël pour une saison 2 de Père Gaël, raconte-moi une histoire. Salut Je Gaël. suis de retour. Ça a plutôt bien marché, on a eu pas mal de demandes pour continuer un peu C'est vrai, cette petite c'est série vrai. Comme quoi rigolote. les gens ont quand même beaucoup trop de temps libre, je pense. Est-ce qu'ils veulent revenir écouter mes âneries? Non, ça Sincèrement, fait plaisir. ils ont bien aimé. C'est Ouais, très ils ont cool. bien aimé, puisque en fait, dans cette émission, on parlait un petit peu de tout. On parlait de guitare, de musique, de Paul Reed Smith, de Guitar Hero. Ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était ça qui était sympa. Du coup, ça faisait plusieurs vidéos avec plusieurs thèmes différents. Ouais, c'est clair. Et le but, c'est pas de faire une interview bien calée. En fait, on parle entre nous en mode Non, informel. voilà, on discute, c'est bien. Moi, je préfère ça aussi, ouais. C'est cool. On parle de frigidaire, on parle de tout sujet, en fait. C'est Congélateur. ça qui est bien. Congélateur, Congélateur, ouais, oui, parce putain. que vous savez pas Ouais. ce qu'il s'est essayé quand ça glissait des private jokes et tout. En fait, je viens de raconter à Alex que sur mon congélateur, j'ai un sticker ce bébé à bord. Parce que Véronique Courgeot, voilà, le bon goût, c'est ça ne s'invente pas. C'est voilà, c'est le style tu l'as ou tu l'as pas. Bah moi, je l'ai pas. Voilà, comme ça, c'est fait. Tu sors équipé, on va dire, c'est bien. Exactement. Ça commence bien. C'est ce qu'elle me disait. Pardon. On va pas refaire la même blague que sur les vidéos, les sons Ben non, mais oui, mais surtout que dans la mais dernière, en parce que plus, vous voyez pas tout ce que je laisse dans les rushs qu'il est obligé de se taper, Alex. Alors, des fois, j'en enlève un des peu fois parce que il est j'ai tout nu, honte et je suis tout. obligé de couper, je fais putain, ça passera pas. Bon, Ça ça passera bien, arrive, on va ça aller en arrive. prison. En même temps, c'est toi qui mets des extraits de Darmanin. Si, Darmanin, ça passe encore, je pense. Ah parce ouais, qu'on non, mais pourra c'était éventuellement aller plus d'extrêmement loin. mauvais goût. Moi, j'avais pas validé cette blague-là, je l'ai découvert qu'une fois le montage terminé. Hein. Je tiens à me désolidariser, pardon, totalement de ce qui s'est passé. Il est horrible cet extrait avec sa tête de fouine et son IMC de coton-tige qui là, Ah ça oui. va bien se passer. Non mais mec, n'importe qui passe, il te soulève avec un doigt et t'as Daronne avec. Qu'est-ce que tu fais? Ah mais Gérald sait faire des blagues. Non mais il est comique, écoute. Heureusement qu'on a ça dans la période actuelle, comme tu disais. Heureusement, ouais. Alors écoute, aujourd'hui, je voudrais un peu évoquer un sujet un peu, qui me tient à cœur, tu vois, et je pense qu'il tient à cœur de pas mal de personnes aussi. Ouais. On a tous, beaucoup en tout cas, on a des expériences de groupe, souvent, et c'est arrivé en tout cas qu'elles se terminent plus ou moins mal, c'est-à-dire la fin du groupe, en fait, pour faire simple. La C'est fin vrai. du groupe parce qu'il y a une question d'ego, la fin du groupe parce qu'on n'est pas tous synchronisés, pas tous sur la même longueur d'onde, on veut pas les mêmes choses. J'ai été confronté aussi un petit peu à ça. Et Ouais. je voulais ton retour sur j'en ai marre en fait, je veux faire un projet solo parce que finalement je trouve personne qui me convienne entre guillemets. J'ai envie de lancer mon projet solo parce que je serais peut-être plus heureux comme ça. Comment pourrait débuter cette idée? En fait, comment ça a débuté pour toi, je pense, pour Nazgul, parce que je pense que tu as fait Bah pratiquement tout de A à Z au départ déjà. en tout cas. Ouais, quel est ton retour là-dessus dans je veux commencer un projet solo? Qu'est-ce que tu conseilles de faire en fait dans ces cas-là? Déjà, faut partir du principe que tu perdras rien si ce n'est un petit peu de temps et d'énergie et que ça sera forcément formateur, tu vas apprendre des choses, quoi qu'il arrive. Donc ça, déjà, c'est super cool. Je pense que c'est vers cette volonté-là qu'il faut tendre. Ça arrive de pas spécialement trouver, on va dire, chaussure à son pied chez les autres musiciens. Excuse-moi, je vais tousser un coup. C'est pas le Covid, c'est cette saloperie. Du coup, ouais, c'est compliqué parfois de trouver chaussure à son pied. Rien n'empêche dans ces cas-là de tenter l'aventure. Moi, ce que je conseille en général, bon, j'en parle pas dans les masterclass, enfin, t'en as vu quelques-unes, donc tu sais, c'est d'avoir comment dire, l'audace d'essayer sans avoir peur d'être jugé ou que ça soit pas parfait du premier coup. Faut partir du principe que les choses se feront graduellement, que ce que tu vas faire la première fois, ce sera peut-être pas bien, ou en tout cas ça te plaira pas, puis peut-être que la fois d'après ça sera mieux, puis la fois d'encore après ça sera encore mieux, etc. etc. Enfin, faut voir ça vraiment comme tu vois, une sorte d'escalier à monter petit à petit. Il y a la liberté aussi de se pouvoir dire, bah, je travaille quand j'ai envie, mais avec l'inconvénient de soit d'avoir la flemme, soit d'être tellement perfectionniste que tu sors rien au final. Donc savoir se mettre des deadlines aussi, ça oblige à travailler sur soi, hein, sur son planning, sur les choses, sur le. Bah,
là aujourd'hui c'est le moment où je dois le faire, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai un autre truc, etc. Ouais, bah faire des choix dans ces cas-là. Mais au moins, on va dire, tu peux t'en prendre qu'à toi en fait, si ça avance pas, et tu peux aussi t'en prendre qu'à toi si c'est vachement bien et que ça avance. Tu vois l'idée quoi. Ouais. Donc non, je pense que la musique c'est un truc qui est fait pour être partagé, mais parfois c'est difficile de trouver les gens avec qui la faire avant de la partager. C'est sûr qu'avoir un projet solo, ça remplacera jamais le plaisir de faire une répète ou un concert, voilà, avec d'autres musiciens, d'avoir l'échange, l'énergie, le truc comme ça. Mais je pense que c'est mieux que rien faire du tout, ou de ronger son frein, ou de pas être heureux dans musicalement dans ce que tu fais. Puis après, je pense que ça dépend des tempéraments. T'as des gens qui sont plutôt solitaires de nature. Moi, plus ça va, plus c'est mon cas, tu vois. Plus je me mets en mode un peu ermite parce que trop de trucs à faire, concentré au même endroit, qui font que j'ai plus autant de temps ni d'énergie à consacrer à autre chose qu'avant. Donc voilà, il y a des gens pour qui ça peut être aussi une fenêtre d'expression, parce que les gens, la proximité physique, le fait de devoir échanger, etc. Il y a des gens pour qui ça peut être vachement fatigant, vachement usant, tu vois. Et faire les trucs tout seul, c'est aussi ne plus avoir cette charge mentale-là, on va dire. Donc ça peut être... dans tous les cas, je pense que c'est une bonne démarche, parce que même si plus tard tu retrouves un groupe ou si tu refais un truc, etc., au moins t'auras fait ton test, t'auras fait un truc, et t'auras toujours le truc de te dire, au pire, je refais un truc tout seul, ou alors tu fais un truc comme, pour moi c'est arrivé pour Nazgul, enfin tu vois, ça part d'un projet solo, que ça devienne un groupe... avec des membres permanents, et puis de temps en temps, tac, je refais un truc en solo, une petite escapade, parce que c'est bien aussi de se rappeler un peu de tu sais, de ce... Je dis pas que c'est une galère de bosser en groupe, mais t'as le côté parfum de liberté, tu sais, tu vois, quand on a fait Felbeast avec Loïc, quand j'ai bossé sur le Introspection là, de I Divided, c'est des trucs où... tu choisis avec qui t'as envie de bosser, et si t'as envie de bosser avec des gens, et t'es pas obligé de le faire, tu vois ce que je veux dire. T'as pas le truc de se dire, ah ça c'est mon guitariste, donc je suis obligé de faire les trucs avec mon guitariste, ou avec mon bassiste, ou quoi. T'as de comptes à rendre qu'à toi-même, et puis aux gens, bien sûr, que tu vas solliciter, parce que si tu les fais bosser, à un moment, il faut que ça soit carré, quoi, il faut qu'il se passe quelque chose.